Eh bien, salut, salut les survivants, c'est le Toucan. On se retrouve donc, comme promis, pour une petite vidéo de raid sur la base de, du player Greedence. Greedence, ouais, vraiment. Prononcez comme vous le souhaitez. Donc, j'ai checké YouTube, j'ai trouvé la vidéo. J'ai trouvé une vidéo, en tout cas de sa base, qui me semble pas mal. Donc, il va y avoir du lourd. Il va y avoir du lourd, normalement. Ce qui me fera du bien. C'est pas la vidéo que tu es en train de faire. Hein. C'est pour le mettre sur YouTube. YouTube. Ouais. Attends, tout le monde. Alors là, je suis en compagnie de ma petite princesse. Exceptionnellement, je fais un raid vite fait pour m'en débarrasser pour le week-end. Ma princesse Éloane, voilà. Qu'il faut que je dise son prénom. C'est un secret, princesse. C'est un secret que tu es une princesse. Bon, bah alors je dis pas. C'est pas une princesse. Faut pas le dire. Voilà. Voilà. Donc là, on check le pick-up. On voit qu'il n'y a rien. On continue. Normalement, je vais tomber vers le cadavre. Voilà. Donc, il faut péter ici, en fait. Tout simplement. Donc on va poser le petit C4 qui va bien pour exposer le mur. Attention, le chien vient ici. Boum! Et c'est parti. Allez, on se met en mode automatique. On attaque tous les méchants vilains. T'as vu comment on les attaque bien? Oh, mais lui, c'était pas méchant. Si, c'est tous des méchants. Regarde, ils sont en train de taper papa, là. Hop, on met un petit peu le pansement. T'es pas méchant, toi. Ah, c'est d'accord. Toi qui a l'épée? Oui, c'est moi qui ai l'épée. Tu l'es, oui. Bon. Allez, hop, comme ça, on n'en parle plus. J'étais avec le voilà. Slip. J'étais avec le slip et ben c'était moi. D'accord. Donc là, on a des items militaires, les quatre petites clés plates qui font plaisir. Je vais prendre des clous pour le moment. Moi, je ne suis même pas mort, mais il m'a tapé. Donc maintenant, on check ici, donc forcément, le coffre-fort. Qu'on peut pas ouvrir. Ici, je sais qu'il y a un coffre. Et dedans, une bonne petite disquette. Je vais finir d'ouvrir les autres pour récupérer ce qui m'intéresse. Donc, j'ai pris qu'un seul C4 parce qu'en fait, vu le loot qu'il y a ici, c'est pas la peine que j'aille chercher plus loin. On va faire ça. La bouteille d'eau pour le moment, on va y mettre là. On va boire un petit coup quand même. Le Glock à la place d'une petite machette. Je vais revenir prendre des trucs après. Donc il y a quelques armes sur cette base, c'est quand même vachement appréciable. Bon, bah, du coup ma petite princesse est partie. Elle a été jouée. Donc on va se finir ça vite fait. Donc là j'ai l'équivalent d'une disquette et demie à peu près. Allez, hop, on se finit ça. Hop, ici, il y aurait peut-être éventuellement ça qui m'intéresserait. Là, je sais plus ce que j'ai checké du coup avec ma princesse qui m'a un peu perturbé. Ah, voilà. Il me semblait bien qu'il m'en manquait. On va mettre ça. On va poser les clous pour le moment. On viendra récupérer la tenue aussi. Je vais aller mettre tout de suite ça dans le petit chopper. Non, avant, il y a un autre truc que je dois récupérer qui est par ici, je crois. Non, c'était pas dans celui-là. Mince. Alors, c'est celui-ci. Ah ! Je vais pas tomber dessus, moi. C'est pas juste. On va s'occuper de la dernière vague. Les gros, on va les faire tourner et on va les emmener directement dans le chenil. Mets-moi ta tartine si tu veux. Allez les enfants, on y monte. Hop. Ça serait bien que vous rentriez. Allez.
Ah, les saligots, ils m'ont encore coincé. À chaque fois, ils arrivent à m'avoir. Allez, on s'occupe de celui-ci. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller poser les petits trucs dans le chopper avant de faire une bêtise. Je suis garé. Non, je suis pas venu sans chopper. Ah. Comme ça m'est déjà arrivé. On va mettre ça, ça, le petit pompe. Hop, hop. La ferraille avec la ferraille. Voilà. Donc tout ça, c'est safe, c'est bon. Et on va aller s'occuper de check une dernière fois les coffres. Pas que je les rate. Alors. Le dernier coffre que j'ai ouvert, c'était le... Mais non. Purée, pourquoi tu ne me prends pas le coffre? Voilà, on va prendre un peu de ça. Là, donc il n'y a rien qui m'intéresse ici. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Bon, un petit coup. Je vais retourner tout de suite poser l'essence dans le chopper. Pam, 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 pam. Pour moi, là, c'est un très, très, très bon raid. Un très, très bon raid. Vraiment. Faut juste que je regarde un truc. Deux secondes. Concernant. Ouais, non, c'est pas rentable que je la prenne. Non, une tourelle, ça coûte pas cher à craft et j'en ai déjà trois sur ma base. Qui ne me servent à rien. Donc pour le moment, la tourelle qu'il y avait dans le coffre là-haut, je vais lui laisser. On va se contenter de ce qu'il y avait déjà. Donc ça, je peux y laisser. Ça, on va équiper. On va débarrasser. Prendre un peu de fer. Je vais prendre un peu de planche. Ici, qu'est-ce qu'on avait déjà? On a la tenue. On va faire ça. Voilà, on va poser ça. Je vais poser les clous parce qu'avec les plaques, je fais 40 clous. Je vais récupérer la petite tenue SWAT. Hop. Donc ça me donne ça, ça. Ici, qu'est-ce que j'avais dans ce coffre? Il y a un peu d'alu, mais j'en manque pas. C'est les derniers coffres que j'avais pas checké correctement. J'ai de la pièce d'arme, mais je m'en sers pas en ce moment. Ici, il n'y a rien qui m'intéresse concrètement. Donc je vais te laisser ça contre une barre, enfin contre des barres d'acier, enfin de fer. Ici j'avais quoi déjà, je me souviens plus. Ah oui, la tourelle et l'huile d'arme dont je n'utilise pas parce que j'en ai une pelletée. Qu'est-ce qui aurait d'intéressant à récupérer ici? Peut-être reprendre une barre de fer, une truc de fer. Si je retombe sur du fer, je laisserai les clés. Il y a les clous quand même, ça m'intéresse bien. Bon, et là, il y a les cartes Z, mais j'en ai déjà une quarantaine dans ma base, donc ce n'est pas utile. Je suis en train de me demander ce que je peux récupérer. Non, ici. Alors, j'ai peut-être laissé les clés plates en échange de clous. Ah, c'est pas vrai, ici. Non, ils sont pas là. Hop. On va laisser les 4 clés plates, prendre les 20 clous. Et c'est ça, prendre les plaques là. Hop, on va faire comme ça, c'est plus intéressant pour moi. Je sais même pas comment je vais pouvoir... Ça y est, t'as fini ma princesse? Non? À combien de bruit? 76. On va essayer de péter ça juste pour voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien. Ok, 84 et 8, ça nous ferait 92. On sait jamais des fois qu'il y a des... Ah ouais. Pétoir. Bon, bah je vais prendre ça. Voilà. Je pars là-dessus. Ça va être un roule full métal quasiment. Voilà.
Je vais l'appeler le Red Spécial Fonderie. Mais spécial fourneau, voilà. Donc je crois qu'on est quand même bien là. On est quand même plutôt bien. Ah, à chaque fois, je rate mon chopper. Donc le petit pompe qui fait plaisir, la plaque, les items militaires, la disquette, l'essence, 100 barres de fer, 34 plaques, 39 clous, 12 planches, 20 bobines d'alu, une tenue SWAT, plus une tenue tactique sur moi, plus j'ai également une M16 dans les mains. J'ai celle-ci. Une AK, un Glock, un Python, pour moi, c'est parfait. Je vais pas chercher plus loin, je vais pas chercher à faire pop le gros. Vous savez que si je peux l'esquive, celui-là, j'aime autant. Là, j'ai fait le tour des coffres, j'ai pris ce qui m'intéressait le plus. Je vais même pas m'embêter à aller plus loin. Ça me coûte qu'un seul C4, donc ça me va très bien. Ça m'évite de craquer la disquette tout de suite pour aller en chercher. Donc on rentre à la base, on va voir combien les raiders veulent en échange. Bah oui, un petit largage au passage. Avant que ce soit l'Event Chopper. Non, c'est bon, c'est le largage. Donc je m'en fiche. On va y aller en courant. C'est bizarre là. Ah non, si la base était là. C'est bon. Voilà, un bon petit raid, vraiment, vraiment sympa. Allez, allez, allez. C'est devenu super lent les entrées de zone. C'est une horreur. C'est une horreur ce truc. Une trentaine de secondes juste pour entrer dans la zone. Quand vous farmez en zone rouge, c'est pas le top non plus. C'est un coup à être accueilli par des crasheurs. Alors je vais déposer quelques bricoles. Ah oui, j'ai oublié de faire le petit screen. Allez, hop, je vais poser ça vite fait. Est-ce que j'ai des filtres là? On va poser. Bon, on va aller chercher filtre. On va aller chercher les filtres. Hop, hop, hop. Poser tout ça ici pour le moment. Hop. Hop. Tac, le chêne. Ça tombe bien parce que je venais de monter mes murs. Donc j'ai 300 rondins que je suis allé chercher. J'en ai plus. Où est-ce que je les ai foutus, ceux-là, ceux-là. Hop. Donc ça, c'est des coffres de gars qui farment. Voilà. On n'est pas des pay to win. Tout ce que vous voyez dans mes coffres, c'est farmé. C'est chopé dans les raids. Hein. Vous les voyez bien, de toute façon, mes raids. On va se mettre les armes. J'ai plus de place. Là, j'ai plus de place. Ok. Bon, je vais aller payer les raiders. On va les rappeler tout de suite. Et je vais essayer de trouver une place pour ranger le reste parce que, bah, mine de rien, ça m'a l'air vrai. Bah oui, tu m'étonnes. 5 filtres. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Oh bah, un seul filtre. C'est parfait. Donc, on est passé niveau 181. Normalement, 182 avec ce raid. Donc, on approche les 200. On approche les 200. Alors. En attendant qu'ils arrivent, je vais vite ranger ma petite tenue SWAT que j'ai récupérée. Hop. Où est-ce que je vais pouvoir te mettre, toi? On va se foutre à poil pour ranger la tenue. Voilà. Hop. Et puis on va y foutre les armes, hein, j'ai pas le choix. J'ai même plus la place. Ok. Ça va être compliqué. Alors, on regarde vite fait les quêtes qui nous demandent. Ok, trois marchands, donc ça va attendre un petit moment parce que je viens de les faire. Quatrième étage, c'est pas le top, mais bon. Ok, et ben voilà. Bah écoutez, si ce petit raid vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, éventuellement à vous abonner si jamais vous êtes intéressé par la chaîne. Perso, je fais que du raid, que de la vengeance. Je fais pas de pack opening ou de machin comme ça. Je vois absolument pas l'intérêt de la chose, mais bon. Chacun son truc. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bonne survie. Salut, salut!